Et bien salut à tous les amis, c'est Virtual, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'une information, pour vous parler un peu du DLC que vous avez sûrement tous dû voir. Donc les rumeurs tournent très très vite, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Donc je vais tout simplement vous parler du DLC, du fameux DLC zombie qui est un fake, hein. C'est pas un vrai DLC. Je vous explique un peu le topo, hein, je vais un peu vous expliquer mon point de vue et pourquoi c'est un DLC fake, hein. Je ne vais pas faire des vidéos fake pour rien, je pense que vous vous en doutez. Mais en tout cas, ce DLC est bien un DLC fake, tout simplement parce que, je vais en expliquer. Bref, donc tout est venu d'un certain code qui est sorti de n'importe où, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est sorti. Et dans ce code, dans ce code source ou de ce code, il y avait tout simplement écrit ZMB. Alors ZMB, alors tout le monde pense à zombie. Non, faux. Avant de faire une vidéo ou de parler de choses qu'on ne connaît pas, on essaye de faire une petite recherche. J'ai fait ma petite recherche. Et ZMB est tout simplement des boissons, des trucs pour musculature, c'est des trucs pour des muscles. Donc ZMB ne veut pas dire zombie. Dans tous les cas, je vois pas pourquoi Rockstar aurait mis ZMB, ils auraient tout simplement mis zombie. De plus, rien ne vous dit que ce code où il y a écrit ZMB vient tout simplement de GTA V. Hein. Quelqu'un peut très bien aller sur Word ou même un logiciel où on peut écrire et changer la couleur du texte et mettre ZMB. Moi je peux faire n'importe quoi, je peux mettre un autre truc genre braquage, mais BRQ, et voilà, tout le monde va penser à braquage. Pas du tout. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce genre de source n'est vraiment pas fiable du tout. Que ce soit des codes sources, etc. C'est pour ça que moi je le fais jamais en vidéo. Ce code source, ce fameux code, moi ça fait 3 jours que je l'ai. 3 jours. On me l'a donné quand? On me l'a donné jeudi soir. C'est un abonné qui me l'a donné par mail. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit non, c'est pas vrai mec, c'est un fake, ça sert à rien. Je vais pas faire de vidéo dessus. Parce que c'est des fakes. Vous, sans être méchant bien évidemment, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis que moi et qui pensent comme moi, ce genre de rumeurs n'est pas fiable du tout. Moi à chaque fois que j'ai des rumeurs ou des trucs, j'essaye de voir et de me renseigner sur des sources fiables. Quand je vous montrais les images des véhicules militaris, c'était vrai parce que c'était une image qui avait été publiée par Rockstar il y a très très longtemps. Mais là, un code source où il y a écrit ZMB, tout de suite les gens pensent à zombies. De plus, je vois pas l'intérêt de mettre un DLC zombie sur GTA V. Je pense que vous êtes du même avis que moi. T'es sur GTA V, tu penses à quoi toi? Zombie, tu vas faire un petit truc zombie. Non, pas du tout. C'est comme le DLC Military avec des images qui étaient sorties il y a pas longtemps. Des abonnés m'ont envoyé, j'aurais dit la même chose, c'est un fake. Des DLC comme ça, c'est des fakes. À partir du moment où il y a des images qui sortent de n'importe où, des sites ou des forums, ce n'est pas très très fiable. Si ça vient des sites sources de Rockstar, ou que ce soit des Twitter officiels de Rockstar ou des descendants de Rockstar sur Twitter, Facebook, là ça peut être fiable. Et c'est ce que je poste moi tous les jours sur Twitter et Facebook. Je vous poste des petites informations avec des photos. J'avais même posté une photo qu'une personne de chez Rockstar avait posté sur Twitter où on voyait tout simplement deux Viguero en train de faire un drag sur Northampton, alors que ce qui est pas possible. On peut pas faire du drag sur Northampton, donc peut-être que il y aura ça dans les futurs DLC, mais je vais pas m'avancer, je vais pas dire ça, mais voilà, c'est des photos que je poste, mais je vais pas poster des codes sources. Moi sinon je vais sur Word, je tape un petit code, je dis BRQ, voilà, tout le monde va penser à braquage. Je mets quoi, casino, je mets C-A-S, tout le monde va penser à casino, et voilà, je vais faire une vidéo, ah les gars, le casino arrive, et au final il y aura absolument rien. Voilà, ça c'était mon opinion, je sais pas ce que vous en pensez vous. Mais arrêtez de penser à des choses qui ne sont pas trop réalistes sur qui pourraient arriver sur GTA V. C'est pas réaliste du tout, du zombie. Pourquoi mettrait-il du zombie Rockstar? Je vois pas du tout. Donc du coup, voilà, vous donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. C'est pas une hypothèse du tout, c'est pas une rumeur du tout. Je vous donne tout simplement mon point de vue et je vous dis que ce DLC est un DLC fake. Peut-être que je me tromperai, peut-être pas.
En tout cas, si je me trompe, bah écoute, j'y suis pour rien. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est un fake, hein, parce que ZMB, moi, j'ai fait ma recherche sur Google. Vous pourrez faire la même chose et taper ZMB sur Google et vous verrez que ça va vous amener sur des trucs de musculature. De plus, ça pourrait ramener à des choses réelles pour les muscles, étant donné qu'il y a une salle de musculation à la plage. Et du coup, elle est ouverte en solo, pourquoi pas en multi. Donc pourquoi pas, ça devrait arriver. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de likes, partagez-la sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent donner leurs avis et sachent que ces DLC sont des fakes. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde.